plafond encore moins et qu'on le réchauffe. Là. Donc c'est le Beaugrand. M, qui viendra là. Voilà. Ça se mettra au coin. Au coin. Et il y en a un autre. Corps, tu connais peut-être le corps. Oui, avec ses petits. Ses voilà. Petits, ses petits... Comment ça, il fait pas chaud? Oh, dame, non, il fait plein chaud. Ah, et pourquoi? Fait-il pas chaud à deux? Discrètement. Bah oui, mais maintenant c'est foutu. Nous allons être sur les écrans du monde entier. C'est une machine du diable que tu as là. Oui. Mes crayons, tu finiras en enfer. Non. Ah si. Pourquoi? Pourquoi? C'est encore une diablerie que cette affaire-là. Hein? Non? Eh oui. Hein? Génial. Enchanté, mesdames et messieurs. Voilà, alors que fait Dragon? Dragon est le cracheur de feu de Bretagne. Voilà, un des meilleurs, évidemment, de France en plus, le deuxième. Et quoi d'autre que ce monsieur dise de vous? Voilà, qui va travailler. Je suis très discret. Mais par contre, s'il y a des têtes à cramer, je suis le premier. D'accord, rappelez-vous. Et toute compagnie? Madame Dragon, mon élève, Yorick.
cracheur de feu, futur cracheur de feu. Et puis Maud, notre femme viking, nouvelle génération, et le fiston, dit le grand dadais. C'est une pâte biscuitée que l'on fait cuire sur des cônes de bois à la cheminée. Donc vous avez les cônes de bois que l'on met sur les broches comme ceci. On met les broches devant la cheminée et on verse la pâte sur les cônes. Et on fait cuire le gâteau comme ceci. Et lorsqu'il est cuit, ah, on enlève le cône qui est à l'intérieur. D'où l'expression déconner. Donc, je déconne. Oh, bien. Ouais, bien. Il n'arrête pas de me le dire. Et c'est quoi comme pâte ? C'est un biscuit. On travaille sur une base de 4 quarts que l'on allège avec les blancs. Une pâte, en fin de compte, toute simple, mais c'est après plus sur la technique de cuisson que l'on retrouve un gâteau autre. Et au temps du médiéval, c'était du pain qui était cuit sur des branches. Donc la technique de cuisson reste du médiéval, mais la pâte, au fil des siècles, s'est transformée en gâteau. Ah. Ah, il en tient une couche. Et c'est ça qui est bon. Ça, c'est quoi alors? Ça, c'est la pâte. La pâte. Donc, une base de 4 quarts. Des chiens loups tchèques, c'est-à-dire que ce sont des chiens en fait qui sont croisés avec des loups, berger allemand loup. Les deux grands qui sont là ont 6 ans et demi, 7 ans, et la petite a juste 3 ans. Et alors, c'est les deux parents, la petite. C'est des chiens qui sont en général assez craintifs, en particulier celle-ci, ça se voit avec la queue entre les jambes. Donc on reste vraiment sur un animal qui est relativement dur à bien apprivoiser, pour mettre entre n'importe quelle main. Mais qui se dresse quand même assez bien. Ça reste quand même un chien plus qu'autre chose. Et c'est vrai que au niveau comportement, on peut bien voir qu'on a les mêmes choses qu'un petit lien. Regardez. Alors je les ai quasiment depuis leur naissance, les trois. La petite dernière est née chez moi. Comment les deux autres, donc celle-ci on me l'a donnée et le mâle je l'ai récupéré de chez un ami. C'est des chiens qui se trouvent de temps en temps en France. Il y a des élevages directement de chiens loups. La seule chose à faire attention, c'est tout ce qui est prédation. Ils ont quand même encore un caractère de loup qui est assez affirmé. Donc dès qu'on a des lapins, des poules ou des chevreuils, ça peut poser souci. Pardon, nous sommes avec les chiens, la compagnie Anne qui blesse, donc le chien loup en breton.
Avec une arme de poing actuellement, on peut arrêter un véhicule en mouvement. Un pistolet, ça vous arrête un véhicule à 70 km/h. Ce que je tiens dans la main, ça stoppe un cheval à 60 km/h. À plat galop. Donc, le sieur, la ferraille, est à pied. Bien assurer le truc. Ils sont super contents. Eh, je suis beau là. Prêt à mettre le feu et à couper des têtes. Super contents, et surtout, les enfants, on joue pas avec le feu. Sinon, j'ai des chips d'oreilles. Alors, moi, j'ai mon arc, j'ai mes flèches, j'ai mon. Il reste plus qu'à tirer. Non, il reste... n'y a pas la corde. Il n'y a pas la corde, je sais pas où est passée la corde. Non, elle a été perdue. Il va m'en refaire une, quoi. On applaudit, hein. Ouais, c'est bien, c'est cool. On applaudit bien fort. Il a fait toute semaine de formation. Ce sont ses premières flammes en public. J'ai rien entendu. Bon week-end. Normalement, demain, toute la journée, on fait de la déambulation, crachage de feu. Et il y aura un spécial battle, crachage de feu, maître élève. Que fais-tu? Je frappe un gros haut lion à la presse à balancier. Une pièce assez gravée qui nécessite une force, une pression importante pour être frappée. Pour la bonne et simple raison qu'elle est. Elle a beaucoup de gravures et beaucoup de d'éléments. Ce qui fait que une pression importante. Là, on a 8 tonnes de pression pour obtenir ce type de pièce. Et à la frappe au marteau, ça serait très compliqué d'obtenir un résultat aussi efficace. Sachant que la presse à balancier n'apparaît qu'à partir de la fin du 15e siècle et sera généralisée à partir du 17e, au moment où Louis XIV veut avoir sa face parfaite sur les pièces. Il va interdire la frappe au marteau. Et toutes les pièces se feront avec des presses à balancier. Alors pas de ce type-là, hein. C'est des presses à balancier beaucoup plus grandes, en bois, manœuvrées par des animaux dans des ateliers fixes. Là, c'est juste pour montrer le principe de la vis sans fin et de la presse à balancier.
qu'on a des poids importants à chaque bout qui vont permettre que l'inertie de la vis va donner la force de pression en fait. Mon lingot, oui. Je vais passer à l'enclume, je vais le battre, je vais le réchauffer, je vais le rebattre, je vais le réchauffer et je vais assouplir mon métal pour pouvoir le frapper. Voilà. D'accord. Parce que quand on voit l'épaisseur d'argent, oui. Là, bah, ce qu'il y a, c'est que là, on peut frapper à froid. Oui. Là, c'est Nathan, c'est une vraie gonzesse, il faut 3 tours de chauffe. Hey, hey. Bon, ça va là. Vas-y. Voilà, donc par la précocité, si vous voulez, de sa verdure, le hêtre a toujours représenté, a toujours été un des trois arbres sacrés ici dans le monde celte et en Bretagne en particulier. Et il symbolise, si vous voulez, la victoire du réveil de la lumière par rapport aux ténèbres, quoi, hein. C'est ainsi que le samedi précédent, le premier dimanche du mois de mai, ce hêtre est planté ici, toujours au même endroit, sur la place. Lorsque le service militaire existait, c'était les jeunes, disons, qui avaient 19 ans dans l'année, qui se chargeaient de cette tradition. Puis, bon, ma foi, le service militaire étant parti, les jeunes s'occupent d'autre chose, quoi. Mais nous tenons malgré tout à perdurer cette tradition, de façon mécanique certes, mais c'est peut-être plus prudent. Il sera abattu, il sera coupé le 21 juin. Pourquoi le 21 juin? Parce que c'est le jour de la Saint-Jean, enfin c'est l'arrivée de l'été, et il sera brûlé également au moment de la Saint-Jean.